vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 15 décembre 2021.
Les marchés sont en baisse partout, pas mal, tout est en baisse. Il n'y a pas grand-chose qui monte ce matin. Le marché était bien plate, bien tranquille depuis l'ouverture. On a eu un petit rebond à 10h30 sur la plupart des marchés, mais là, présentement, on est sur des nouveaux bas partout, excepté le Dow. On n'est pas tout à fait sur un nouveau bas, mais on est là sur le SPY, sur le Dow, sur le TSX aussi. On va commencer par les nouvelles. Bon, OK, le plafond de la dette, on n'en parlera pas. Là. Regarde, ils vont l'augmenter, le plafond de la dette. Là, on en parle à tous les jours. Puis qui parle du COVID, de l'Omicron, qui a 3 % des Américains, puis qui dit qu'il se propage plus vite. C'est toutes des vieilles... Pardon, j'ai dit OK. Toutes des vieilles nouvelles qu'on a ce matin. Puis là, ils disent que les entreprises chinoises pourraient être décotées parce que ça, le torchon brûle entre Pékin et Washington. Puis après ça, on a eu quelques stocks sur des nouvelles plutôt tout aussi plates les unes que les autres. On va commencer par ça, tiens, dans notre liste 3 ici. Ça, c'est une nouvelle, en fait, d'hier, là, GMTX, qui donne suite parce que... H.C. Wainwright annonce un objectif de 20$ sur Gemini Thérapeutique. Bon, écoute, le titre, il vaut 3$, c'est que, là. Regarde, c'est un petit rebond là-dedans. C'est tout, il ne se passe rien, il y a d'autres choses là-dedans. Puis il y a trois compagnies. Il y en a un qui a donné un objectif de 5$, l'autre 15$, puis l'autre 20$. Fait que c'est n'importe quoi. Puis GRTX Thérapeutique, il fait du surplace. Il y a eu un organisme qui travaille pour eux autres, qui ont fait une erreur, puis à la suite de la correction de l'erreur, ils disent que ça a fait remonter le titre. Oui, c'est vrai, à l'ouverture, mais maintenant, il fait rien. Il est revenu pas mal à la case départ d'où il s'était arrêté hier. Puis là encore, un autre encore plus ridicule, c'est Biofantera qui annonce le recrutement de la première personne, le premier sujet d'essai clinique. Pour de l'acné modéré à sévère. Ça fait qu'il a fait une petite pause ce matin, puis là, ben, il est en déroute un peu. C'est déjà pas mal bizarre que ça ait fait déjà tout ça sur cette nouvelle-là ce matin. Puis il y a aussi la nouvelle sur Trump Media Technology qui a annoncé un partenariat avec Rumble, qui a récemment annoncé une signature d'un regroupement d'entreprises définitives avec CF Acquisition. Ça fait que tout ça, ça a été des affaires rapido, puis ça n'a pas donné suite après, mais dans l'ensemble, la majorité des affaires sont en baisse. Regardez, on n'arrête pas de faire des nouveaux bas là, depuis 10h30, après le petit rebond de 10h30 là, sur Nasdaq, on est rendu à 0,9%. Le Dow, il joue yo-yo, mais en baisse. Le SPY vient juste de faire un nouveau bas, puis le TSX aussi. Du côté des ressources, le pétrole est en baisse, les pétrolières sont en baisse, l'argent, l'or et les orifères sont en baisse. Puis d'ailleurs, l'or qui repart à la baisse au moment actuel, puis il y avait le gaz qui est en hausse de 3 % ce matin. Ça fait que... non, c'est un marché... Marché super poche. Je pense pas qu'il va arriver grand-chose avant l'annonce de la Fed. Là, tout le monde s'attend à ce qu'ils vont arrêter les achats d'obligations. On dirait que le monde a peur qu'ils parlent d'augmentation des taux d'intérêt, mais comme on connaît Powell, ça risque pas d'arriver, mais sait-on jamais. En tout cas, le marché, on peut pas dire qu'il est nerveux, mais inquiet. Avec tout ce qu'on voit là, qui est en baisse. Il n'y a pas grand-chose. Regardez, on va faire le tour. On a fini de toute façon pour les nouvelles. Il n'y avait rien d'autre que ça à faire dans les nouvelles de ce matin. Donc, comme on peut voir, USO continue en correction, même si on est survendu. Les titres ont traversé leur support sans s'arrêter. Et puis, La majorité des titres que je voyais dans les pétrolières ce matin là, sont en baisse. Vous voyez, là, regarde, Whitecap, Meg, Crescent Point, NuVista qui est en train de traverser son support, Paramount, Grand Sierra. Donc, l'ensemble des titres pétroliers
continue à la baisse. Du côté des orifères, l'or est sur son support. Les titres orifères, eux, ont traversé leur support. Donc, c'est HGD qui est en ascension pour l'instant, en breakout. Du côté des minières, vous voyez, c'est la correction. Hier, il y a quelqu'un qui disait, oh, ben, ils tiennent bien les mines. Ben, ils ne tiennent plus les mines. Elles sont en chute, là, les mines partout. Donc, Turquoise qui est en chute. First Quantum est rendu sur son support. Tech s'en va dans cette direction-là. Hudbay est rendu sur son support. London s'en va sur son support. Fait que c'est de la chute partout de ce côté-là. Dans l'argent, c'est pareil. L'argent est en baisse. Les titres argentifères sont en baisse aussi. La consommation discrétionnaire, c'est de la correction. La consommation de base fait du surplace. Les télécoms, c'est de la correction. Les services financiers, ça fait du surplace. Les industriels, ça fait du surplace sur le support. Les real estate, c'est de la correction. Services aux collectivités, ça fait rien pantoute. Tu sais, c'est partout pareil, là. La technologie, on a traversé le support, puis ça continue à la baisse. Puis la santé, à la baisse, on a fait des nouveaux bas ce matin encore sur les titres de cannabis. Tiens, dans les intra-séances, on va commencer par ceux-là. Tiens, le pote, regarde ça, le pote. Notez le graphique, c'est des 15 minutes. C'est en 15 minutes, on voit bien comme c'est tout en baisse partout. Donc, regardez ça, le cannabis, tous les stocks de cannabis sont en baisse avec des nouveaux bas partout. Weed qui est rendu à 11,25$. Ça fait que le secteur n'intéresse plus personne. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, en tout cas à l'heure actuelle. On fait le tour dans les infectieuses. On avait AstraZeneca qui est en hausse ce matin parce qu'il y a un fonds qui a ajouté ça dans ses affaires. Il y a Pfizer, Merck, les gros canons qui sont un peu en hausse, mais pas de manière bien significative. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas positifs pantoute, comme INO qui est en train de décrocher présentement. Ça fait que, puis ce qui avait à être fait, il est déjà fait du côté des infectieuses. Puis là, ben, on commence les véhicules électriques. Regardez ça, le Tesla en baisse. LI, XPEV, ça fait suite à l'affaire du torchon qui brûle entre Pékin et Washington, qui disent que les Chinois pourraient enlever des bourses, mais regarde, c'est toutes les autos électriques qui sont en baisse complètement. Les composants de véhicules électriques, c'est en baisse partout, partout, partout. C'est de la correction partout. Les airlines qui ont mangé une claque ce matin parce qu'après avoir eu 50 milliards d'aide du gouvernement, les airlines ont cancellé des voyages pour améliorer leur situation. Ça fait que le gouvernement n'était pas trop content de ça. Ça fait que, regarde, toutes les airlines sont en baisse aussi. Les recreational, c'est pareil, c'est en baisse partout. Et c'est pas facile de trouver quelque chose qui monte, là, un matin. Le pot, on l'a déjà vu, puis les énergies renouvelables aussi sont toutes en baisse, du premier au dernier. Fait que tous les secteurs spécialisés sont en baisse. Du côté du lithium, tiens, le lithium aussi, c'est en baisse, gars, ça continue encore à la baisse, là, le Piémont est en baisse, LAC est en baisse aussi, il a même traversé son support ce matin, ça fait que la majorité des titres de lithium, là, regarde, c'est de la correction partout, lithium Chili, qui a quand même baissé d'à peu près 25% dans les derniers jours, Alpha Lithium et tout ça, on va aller voir le graphite, ça doit pas être différent, bon, NOU qui est en correction, la plupart des titres en correction, Electrovaya est en cycle baissier puis en tendance baissière. Fait que, c'est pas compliqué, là, je vous le dis, là, c'est ça. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché ce matin. Même l'uranium aussi continue aussi à la baisse. Fait que, on n'arrive pas à trouver rien, là, qui a le moindrement de momentum haussier. Mon discours n'est pas vraiment nouveau, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la triste réalité des choses.
Du côté des marchés, ça continue encore. Vous voyez, Nasdaq, depuis 10h40, c'est comme une pente à 45 degrés vers le bas. Le SPY puis le TSX, tout pareil. Il y a juste le dollar qui se retient un petit peu. Donc, on y va avec quelques nouvelles. Que vous pensez de PTPI, achat moyen, 3,32 000 actions. PTPI. Bon, vous voyez, c'est un titre qui est très, très, très erratique, là. Il est parti en haut ce matin, direct à l'ouverture. Après ça, ça s'est tout désagrégé. C'est ce qui se passe partout sur le marché. Vous êtes à 3,32. Il vaut 2,65. Il arrive à son support, là. On va le mettre en 30 minutes. Donc, on est complètement à côté sur la ligne de tendance. Puis en bas de ça, bien, c'est le décrochage à 2,40, mais vous êtes à 3,32. Fait que c'est un petit peu fatigant. C'est le point d'entrée à 3,32. Ce qui était hier, c'est allé à 4 et que vous ne parlez pas d'avoir pris des prises de profit, rien, JP. Là, vous êtes pogné un peu avec ça. C'est dur de ramasser les pots cassés. Mais il faut s'attendre à des comportements erratiques d'un titre qui est aussi erratique, là, de toute façon. Fait que c'est difficile quoi vous dire, mais je vous dis qu'à 2,45 $, c'est un autre signal de vente. Je suis entré dans HGD à 9,54. 9,54, il vaut 10,30. Regarde, c'est pas 10 % mais c'est 8 % moi, je vous suggérerais de prendre un profit direct là. Il est bien parti aujourd'hui. J'ai l'espoir qu'il rejoigne 11,35. Wow. Hey, tabarouette, vous en voulez, vous, là, là? OK, vous avez espoir qu'il rentre jusque-là, mais si c'est à vous, je n'hésiterai pas à prendre un profit avant d'aller jusque-là, parce que c'est beaucoup espéré. Ça veut dire que vous croyez que l'or va retomber complètement ici en bas, ce qui est possible, mais allez-y pas rien que dans une étape, prenez des profits. Vendu à découvert, LNR. Bon, il est parti sur le bon bord pour vous. Pas pris de profit, le titre toujours en baisse. Je vais aller au maximum de profit. Bon, mais regarde, à vouloir être trop gourmand, hein, vous savez ce qui arrive. Ça, en anglais, ils disent « greedy ». Moi, je pense que vous êtes pas mal gourmand. Vous avez 5 piastres de fait là-dessus. Puis le titre est en baisse depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6e journée de baisse. Même s'il y a encore du potentiel à la baisse, comme d'habitude, je vous recommencerai de prendre un profit, de ne pas viser trop haut. Doit-on avoir confiance en DWAC? Ben, c'est la SPAC de Bill Gates, de Donald Trump. DWAC, il ne fout rien pantoute. Il n'y a rien qui se passe là-dedans. Confiance ou pas? Pour l'instant, regarde... Il est parti de 65 à... Il est parti de 66 piastres à 50 piastres. Bon, il devrait avoir fini sa descente-là, mais il y a encore quand même de la place, là, jusqu'à 35 piastres. Achat 100 à 54,7. Bon, pour l'instant, vous êtes en perte. À 47,5, il y aurait un autre gros signal de vente. La question du jour, Jérôme Powell, va-t-il nous sortir un lapin surprise de son chapeau? Ou CNBC nous ont déjà tout dit. Bon, en tout cas, moi, j'en ai parlé hier de l'affaire de CNBC, là, qui disait qu'il arrêterait les achats d'actifs et qu'il augmenterait les taux d'intérêt à partir de juin. Bon, pour une affaire qui est supposée être secret, moi, je trouvais ça bizarre que CNBC nous dise qu'une enquête de CNBC aurait dit, ben non, mais quand tu fais une enquête, il faut quelqu'un qui réponde à tes questions, là. Donc, c'était-tu de l'information privilégiée qu'ils ont eue ou pas, je sais pas. Moi, je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied en faisant ça. Mais on verra bien. À mon avis, on peut peut-être pas appeler ça des enveloppes brunes, là, mais il y a un petit peu de favoritisme là-dedans. Mais tant qu'à ça, la presse a fait des conneries aussi, belles conneries hier. Là, on vous a sorti la nouvelle hier après-midi. Là, hier après-midi, il disait que le gouvernement PVQ
québécois obligeait les entreprises à retourner les employés en télétravail. Puis après ça, tout le monde s'est démenti, la presse y compris, tout le monde s'est démenti, puis ils ont dit « recommandait ». Ils ont changé leurs mots. Mais en tout cas, la presse aussi s'est tiré une balle dans le pied hier. Ils ont utilisé des mauvais termes. Ils n'ont même pas eu le courage de s'excuser pour avoir dit que le gouvernement forçait le retour au travail quand ce n'était pas vrai. J'ai acheté du MRE à 63. C'est facile, ils écrivent une nouvelle, après ça, ils l'enlèvent, puis là, ils pensent que personne ne va le voir, mais en tout cas, il y a du monde qui veille au grain ici, là. Vous avez acheté MRE qui est sur son top, là. Vous avez payé ça à 63,250, il vaut 66, devrais-je le conserver? On vend la moitié de tout ça immédiatement, mon Pierre. Regarde, pensez que MRE va partir en flèche par-dessus ça, là? Bah, faut bien croire qu'ils font bien de l'argent parce qu'ils augmentent les... Il n'y a pas juste les prix de la chaîne d'approvisionnement qui augmente, mais à mon avis, eux autres aussi, puisque s'ils montent de même, c'est parce qu'ils font plus d'argent. Moi, je vendrais la moitié de cette position-là, voire même 75 %. J'ai manqué quelques émissions du mercredi. Comment va la santé? Merci, Carignan. Bonne journée à vous. Ça va. Je prends du poil de la bête, là. Ça fait un petit peu moins mal, mais je suis rendu au bout des pilules, là. Il y a des limites. Ils ne peuvent pas te donner de la morphine plus que 3-4 semaines. Puis là, ben, je ne sais plus rien pour me soulager, puis ça fait mal. Fait, c'est juste ça. C'est juste que ça fait mal, mais ça reprend. Là, je ne suis plus bleu, je suis jaune. J'étais bleu tout le côté droit, maintenant, je suis rendu jaune. Ça veut dire que ça guérit, mais regarde, on va y arriver. J'arrive à faire vaquer à mes occupations. C'est juste que je fatigue un peu plus vite, mais on est parti sur le bon bord, mon ami. Diam, est-ce un achat? D-I-A-M. À Toronto, ça, hein? Bon, ben, pas pour l'instant. On est dans une grosse phase neutre. Il y a eu juste une grosse montée, à part la petite affaire qu'il y avait eu là, là. Il y avait eu une grosse montée, mais il y avait ouvert en haut, c'est fini en baisse. Pour l'instant, il est dans une phase complètement neutre. Il n'y a pas d'achat avant qu'on passe au moins à 30 cents. Ça a tellement raison quand tu parles du plafond de la dette. Le Japon a une dette PIB de 250 % et les États-Unis seulement 107 %. Ils ont encore de la place pour s'endetter, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben là, Ruben, mon comptable m'appelle, je peux-tu t'appeler? C'est comme, il ne sait pas encore que je suis en onde, moi, à cette heure-là. Donnez-moi un instant, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé.
Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex, la nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour, mesdames et messieurs. La question de Marie, point d'entrée pour UNS au Canada, Uniselect. Ben regardez, UNS, depuis qu'il a atteint le top de son couloir, qu'on avait identifié à plusieurs reprises, le titre est en correction, puis on ne sait pas encore où est-ce que cette correction-là va s'arrêter. Donc, on ne saura pas où sera le point d'entrée tant que la correction ne sera pas arrêtée. Puis, pour l'instant, ce n'est pas encore arrêté. Il y a encore de la place à la baisse. Ça fait que c'est pas aujourd'hui qu'on aura la réponse. Regarde, il y a encore de la place à la hausse, mais comme je vous disais, sans savoir où cette correction-là va finir, bien, elle est allée en haut jusque sur le haut du couloir, bien, elle a bien des chances de revenir jusque sur le bas du couloir, aux alentours de 20$. Donc, il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Situation bizarre, marché neutre ou baissier? Bien, le marché est en correction. Mais l'or ne bouge pas. Analyse, s'il te plaît. Paul, merci et félicitations pour ton interaction avec nous. Bon, l'or, ça ne va pas. Les titres aurifères sont vraiment, pas les titres, mais l'or est arrêté carrément sur son support. Mais les titres aurifères sont en décrochage. D'ailleurs, avant l'ouverture, tous les titres aurifères étaient en baisse. Donc, c'est baissier du côté des titres aurifères. Pouvez-vous analyser SU? Bon, SU, il ne se passera pas d'autre chose que sur les pétrolières. Tout est en baisse. Fait que la SU devrait être en baisse aussi. Il est même en bris de support ce matin. SU, puis IMO, puis tous les stocks de pétroliers sont en baisse. Donc, c'est de la correction partout. Bonjour, mes prédictions sur la Fed. On va faire ceci, on va faire cela, ce ne sera que du blabla. Un gros chien qui jappe, mais qui ne mord pas. Ce qui m'exaspère, c'est de voir que le marché croit encore au mensonge de Powell. Ben, c'est ça, Pepe Powell. La bourse US monte de façon artificielle depuis 2009 grâce au QE. En plus, et surtout aussi que le marché se réfugie toujours dans les grosses high-tech. Mais on sait que la fin s'en vient. Devriez-nous être plus prudents? Bien, ça fait longtemps que je dis d'être prudent. Donc, plus prudent, non, prudent. Prudent. Écoute, dans les derniers mois, tous ceux qui ont forcé la note à acheter, on a eu de la misère. Mais grâce à notre expérience, on a fait un sondage hier. Il y avait, je ne me souviens plus des pourcentages, mais il y avait à peu près 20% des gens qui faisaient un petit peu d'argent. Il y avait un autre 10-15% qui en faisait pas mal. Il y avait à peu près un 20% qui était kiff-kiff. Puis le reste s'était mélangé entre ceux qui en perdaient un peu et ceux qui en perdaient beaucoup. Mais on sait qu'en général, on a quand même beaucoup, beaucoup de clients qui ont considérablement réduit leur position, qui vont de 15 à 30% de positions vivantes dans leur portefeuille. Puis c'était la meilleure chose à faire. Quand Michel va bien aller, on va voir, il va être rasé. c'est ça. Mais c'est parce qu'il va être capable. Il va être capable de se raser. J'ai trop de misère avec mon bras droit quand les affaires en haut puis les affaires en bas. Tout ce qui est à la hauteur du bureau, ça va bien. Puis pour l'instant, ma job, ça se passe avec une souris. Depuis 2009, ce qui fait monter les bourses sont le QE. Maintenant, c'est fini. Non, le fait ça. Puis voir analyser Cinedigme. Bon, mais ça, c'est dans les CIDM, c'est des recreational, ça, CIDM. Regarde, ça pointe par en bas encore. La tendance, elle a été inversée. La tendance haussière, on est en tendance baissière. On est en cycle baissier aussi. Il n'y a rien de positif dans de ce côté-là, nulle part.
Vous êtes in à 1,45. À 1,20, il semble que ça aurait été un gros support. Je dois mettre mon stop-loss à quel prix? Bon, il est un petit peu sur le tard. In à 1,45, c'était bizarre. Vous êtes entré quelque part là, je suppose. C'était pas l'endroit idéal non plus. Le support, il est déjà traversé. Le problème, c'est que le prochain support, il est quand même assez loin. Il est à 1,08 $. Fait que c'est, comme je dis souvent, c'est difficile de ramasser les pots cassés. Si la bourse va mal, pourquoi ne pas sortir des titres pour vendre à découvert? Bien, regarde, c'est pas tout le monde qui aime vendre à découvert, mais oui, c'est une possibilité. On a travaillé avec ça cette semaine, Billy. Pas Billy, oui, attends un peu, où est-ce qu'elle est, cette affaire? Oups, j'ai fait, comment ça, la question est partie. Bon, mais regarde, seulement sur des mouvements qui commencent, et pas sur des mouvements qui continuent. On a les pétrolières, mais ils sont déjà survendus. On a les orifères qui décrochaient, les orifères qui décrochent aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on peut voir à découvert. Mais il n'y a rien de nouveau là, dans les titres. Regarde, est-ce qu'on va shorter les autos électriques? Regarde, c'est quand ils reviraient de bord à partir d'en haut qu'on pouvait vendre entre là et là. Ça fait que, regardez, toutes les ETF, tout est en baisse. Tesla est en bas d'un cycle baissier. Il y a Rivian qui avait une grosse nouvelle cette semaine qui repart à la baisse. On pourrait shorter Rivian pour un 10 %. Ellie est en décrochage. Les compagnies d'auto électriques, la plupart, ont plusieurs jours de fait déjà à la baisse. Fait que, donc, c'est dans le début des mouvements qu'on achète. C'est à des début des mouvements à la hausse qu'on achète, début des mouvements à la baisse qu'on achète, mais pas à la fin des mouvements à la baisse qu'on short. Tu sais, là, vous allez vous faire pogner dans un rebond, mais c'est pas encore fini de descendre, fait que c'est trop tard pour acheter aussi. TOI. Entrée sur support ou c'est pas fini au Canada. C'est le timing is everything. Je peux pas confirmer que le cycle baissier est pas fini. Il y a pas apparence de rien. Pour l'instant, même si on est en situation survendue, il faut toujours bien voir une fin, puis il n'y en a pas. Regarde, tout ce qu'on a eu à date, c'était quelques petits rebonds ici, ici, puis ici. Regarde, on fait encore un nouveau bas à l'heure actuelle sur TOI au Canada. Donc, à mon avis, c'est prématuré de rentrer là-dedans. Puis comme je vous disais, tout est en descente. Regarde, les airlines, les airlines sont ici. Les airlines sont rendues au support, mais ça n'arrête pas de descendre parce que le gouvernement n'est pas trop content après eux autres, après les avoir donné des milliards. Eux autres, en plus, ils réduisent, ils cancellent des vols. Fait que, regarde, on les aide d'un côté, puis eux autres, ils s'aident de l'autre côté pour faire une guerre de rendement. Je me demande bien c'est quoi qui va arriver avec tout ça, là. Avec toutes les affaires qui s'en viennent. Regarde, on a vu les compagnies aériennes sont en train de commander des moteurs à hydrogène et à électricité. Pendant ce temps-là, Boeing continue à vouloir vendre des avions. C'est le bordel. C'est le bordel total. C'est le bordel partout. Et même dans les autos. Toutes les autres, les compagnies, les grands constructeurs de véhicules automobiles à combustion se sont lancés dans les autos électriques. Plus toutes les autres compagnies qui font des autos électriques. Qu'est-ce qui va arriver avec le surplus là, de sur le marché là-dedans? C'est qui va acheter les autos électriques quand il n'y en a pas deux qui ont les mêmes technologies? Je te dis, là, en tout cas, pour moi, il n'est pas question de m'acheter une auto électrique. C'est pas mûr encore. Mais à mon avis, c'est la clientèle qui va payer le prix pour vouloir s'embarquer dans ces nouvelles affaires-là, parce que premièrement, c'est cher. Vous savez jamais quand est-ce que vous allez l'avoir. Vous savez même pas quel prix vous allez payer.
Puis on ne connaît pas en tout ce qu'il va avoir comme valeur de revente dans 2-3 ans. Les autos, là, ça dure... Là, ils disent que les batteries, ça dure 10-12 ans. Ouais. OK. La seule affaire qu'on sait qui dure 10-12 ans, c'est une auto à combustion. Les autos électriques, on ne sait pas comment tant que ça va durer, parce que ça ne fait pas 12 ans que ça existe. Puis ceux qui ont sorti il y a 10 ans, ça ne vaut pas faire la tonne aujourd'hui. Fait que on est dans ça. Bon, là, regarde, c'est le dollar qui vient de reporter, de revenir à zéro. Bon, la grosse clique du Dow Jones, on pourrait aller checker c'est qui a fait ça. Parce que pour l'instant, c'est juste une petite accalmie, puis encore là, on s'en revient vers le... on va revenir vers le bas. Le SPY, il n'y a pas rien inversé. C'est juste le dollar. On va aller checker un coup d'œil, voir sur le dollar. C'est qui a fait tout ce rebond-là à partir de la baisse de ce matin. Tiens, on va mettre ça en 2 minutes. Bon, c'est United Health, c'est Procter & Gamble, c'est Cisco. Oh, c'est pas ça. McDo, ouais, un peu. Johnson, c'est Home Depot. C'est n'importe quoi. C'est juste les grosses institutions ont dit, bon, ben regarde, il y a tout descend sur les marchés, on n'a rien à acheter. Ah, ben les infectieuses, ça c'est sûr. Fait qu'on n'a rien à acheter, fait qu'on s'en va sur le Dow Jones. T'sais, Walmart est revenu à zéro. C'est Travelers, pour qu'une raison quelconque. C'est n'importe quoi. C'est un exode vers les gros titres du Dow Jones. Ils ont dit ça va pas bien non plus dans les high-techs, fait qu'on va aller sur le Dow Jones, parce que c'est quand même bizarre, là. C'est garde. Excusez-moi. Oh! C'est pas le temps de s'étouffer, là. Bon. Ça fait que, Bon, il est rendu midi. On a déjà pour mettre fait tout le tour, hein. Et je te dis qu'on a fait le tour, là. Si vous me demandez des choses qu'on devrait acheter, là, bien, c'est toutes les affaires qui sont à la baisse quand ils vont arrêter de descendre. Puis là, il n'y a pas rien qui arrête de descendre. Regarde, Nasdaq retourne encore vers le bas. Fait que, est-ce que tout va avoir été fait avant que Powell parle, ben on ne sait pas. On va le savoir tantôt. C'est quand même assez bizarre. Ça fait que le Nasdaq demeure dans une correction tout à fait normale. Le Dow aussi, parce qu'il y avait quand même un autre 1000 points, 35 500, 34 000. Il y a même 1500 points pour aller jusque-là. Puis le SPY aussi est en correction. Rien de très grave, mais puis là, ce qu'on regarde, c'est les gros blue chips, là. Parce que ça descend bien plus que ça dans toutes les autres qu'on a regardées tantôt, là, dans les autos électriques. Regardez, ça fait tout un cycle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait plus qu'une semaine que ça descend. Dans les batteries, c'est pareil. C'est tout en chute dans les cycles baissiers. Les airlines, tout dans des cycles baissiers. Les recreational, dans des cycles baissiers. Le cannabis qui n'arrête pas de faire des nouveaux bas. Les énergies renouvelables, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours en ligne que ça plante. Ça plante partout. OK? Même les biotechs sont plantés toute la semaine et sont rendus là, sur le support. Mais il n'y a rien qui est arrêté encore. Il n'y a rien qui a encore rebondi. Est-ce que c'est Powell qui va réussir à faire rebondir ça après-midi ou qui va mettre de l'huile sur le feu, rajouter de l'huile sur le feu? Je ne sais pas. Regarde, l'uranium est en baisse, le lithium est en baisse, le graphite est en baisse, tout est en baisse, la COP est en baisse, les mines sont en baisse, tout baisse. Moi, je sais ce qu'il faut acheter. On achète Décision Plus à la gang, puis on prend le contrôle. Ouais, ce serait drôle, hein? Pouvez-vous analyser Pink pour un achat au Canada? Pink. Ah, regarde ça, tu as Perimeter Medical. C'est quoi cette affaire-là? Hop là, c'est bizarre. Le titre qui est en arrêt de transaction avant l'ouverture. Il a ouvert ici sur un volume de 300 000 sur 1 million.
On va le mettre ailleurs. Tiens, on va mettre ça ici. P-I-N-K. Même dans nos day trades, il n'y avait rien qui marchait ce matin. Oups, c'est à Toronto, par exemple. Là, je pense. Oh, Venture. Bon, comme je disais, ça a commencé sur un gros volume à 10h et quelques. 10h45. 3h40, 4h20, il a bien fait. Mais là, il ne fait plus rien, puis il n'y a plus de volume pantoute. Il ne se passe rien. Fait, c'était une grosse... Il doit y avoir une nouvelle, sûrement, qui est sortie là-dessus. Perimeter, Medical, Imaging. Mais tout a été fait. Je pense pas qu'il y a grand-chose d'autre à espérer, à voir comment le volume est super plate. On va le réduire quand même ici, là. Donc, tu vois, c'est des volumes d'une moyenne de 25 000 par minute. Fait que c'est pas quelque chose d'énorme. En tout cas, ce sera à 4,10 $ qui redécollerait, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire. PTPI, ça s'arrange pas. Ça fait que, tiens, je vais prendre mon secteur des mélangés. C'est assez simple, hein? Regarde. Les autos électriques, les composantes électriques, les recreational, les airlines, le cannabis, les blockchains, les Wall Street Bets, puis les NFT. Ben, y a-t-il quelque chose qui monte? Non, rien pas d'autre. ADGI, 7 $, hier, acheté avant la fermeture. Ouh! Aïe, aïe, c'était quoi l'idée? Vous vouliez essayer de penser à un rebond? Ben là, surprenez-vous pas avec une stratégie comme ça, Serge, d'avoir une perte comme ça, là. Un titre qui s'est pété la gueule solide de même hier après-midi, paf! Adagio thérapeutique, je sais pas, là, mais je sais pas c'était quoi la nouvelle, mais ça devait être une pas mal mauvaise nouvelle. Là, il est en baisse de 22,3% aujourd'hui. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Ça va vous prendre un gros pot de Crazy Glue pour recoller les pots cassés, là. Malheureusement. Écoutez, j'ai une petite urgence, là. Il faut que je vous laisse. Je vais faire ça vite. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon retour. Pour la nouvelle de ADGI, là, Serge, j'aurais dû vous faire checker ça hier, là, parce que il y a sorti une nouvelle là-dessus hier qui disait qu'il y avait, eux autres, découvert des anticorps qui fonctionnaient très bien avec l'Omicron, puis ça a l'air que c'est pas vrai. Fait que c'est pour ça que ça a planté de même hier, puis qu'il continue à planter aujourd'hui. La Fed est coincée avec le tapering et la hausse des taux, et surtout l'inflation. Mais M. Powell a moins peur de Biden que de Trump à l'époque. Ben oui, c'est ça, regarde. Moi, ça me fait rire. J'ai vu les données. J'ai bien du respect pour M. Fillon à Radio-Canada cette semaine qui montrait que dans les dernières années, la politique monétaire canadienne de maintenir l'inflation à 2 % avait fonctionné parce que c'était dans les années comme 80 qu'ils avaient installé ça. Puis depuis ce temps-là, c'était jamais arrivé. Mais là, les derniers chiffres qu'ils montraient, ils étaient de 2019, au début de la COVID, OK? Puis là, bien, on sait que pendant la COVID, là, ça a été une escalade extraordinaire des prix, de l'inflation. Ça fait que, regarde, moi, là, je ne suis pas prêt à croire à ça qu'on a une inflation, qu'on va avoir une inflation de 2 %. Ils ont dit que ça va être 2 %, mais dans une braquette entre 1 et 3 %. Bon, bien, c'est-tu 1, c'est-tu 2 ou c'est 3, OK? Mais à mon avis, l'inflation, ça va continuer. Tout le monde a peur de dire que ça va continuer, mais on a des yeux pour voir. Tout ce qu'on achète coûte plus cher partout. Puis d'ailleurs, pas juste ce qu'on achète coûte plus cher. Tous les employés, regarde, le gouvernement donne des milliards aux Autochtones, 40 milliards. Ils ont donné 25 % à ceux qui travaillent dans les CPE en salaire. Les gouvernements n'ont jamais donné ça, 25 % nulle part. Il aurait pu y aller, il aurait pu commencer avant, puis il aurait pu continuer. Ça fait que, mais là, regarde, c'est de la politique, là, cette histoire-là. On achète des votes, là, mais à mon avis, on ne dit pas la vérité. Puis là, ben, ils ont tellement peur. Regarde les mesures qu'ils sont en train de prendre là, avec ça. Là, ils ont tellement peur d'être en tort qu'ils essayent d'agir d'avance. Fait qu'il n'y a plus personne qui sait partout où est-ce qu'on s'en va. Fait que, on va bien voir qu'est-ce qu'il va dire le Père Noël. Ouais. Soyez prêts, Powell va démarrer le rallye du Père Noël. Le rallye, ouais, la parade du Père Noël. Hausse des marchés boursiers jusqu'à la fin de l'année. Et par la suite, attachez vos tucs. Les marchés vont chuter de 10 à 20 pour commencer l'année 2022. Et tabarouette, c'est Nostradamus. Ça ici, là, qu'on a, là? OK. Vos bottes sont pleines. Vous, là, OL... c'est une grosse affirmation, ça, là. On va faire laminer ça, puis on va mettre ça sur le mur, là. UFS à Toronto, puis possibilité d'achat. Excusez-moi. Désolé. Bon. Ils me disent qu'il faut que je prenne des grands respects. Mais essayez de prendre des grands respects quand tu as 10 fractures des côtes. C'est pas si facile que ça. Puis, je pouvais faire ça quand j'avais des médicaments assez forts pour pas que ça fasse mal. Mais là, quand j'ai la moindre petite toux, là, ça fait mal. UFS, possibilité d'achat. UFS. C'est américain, sûrement. Non? Ben, UFS au Canada, ça n'existe plus. Il y a une erreur ici, là. C'est peut-être UFS américaine. Ben, ça ne marche pas non plus. Non, c'est pas le bon symbole, Paul. C'est vrai que l'inflation va être à 2 % mais par mois. Par mois, pas par année. Ah, pas moi pas rien non plus, ça va mal ça avec. bon. OK, ils sont rendus nos marchés là-dessus, là.
Oups, on a fait un nouveau bas encore sur Nasdaq. Le dollar a entamé sa rechute. Bon, mais c'est pas grave, ça a monté un bout, mais ça va revenir, pareil comme les autres. Puis le SPY sur le bord d'un nouveau bas. Fait qu'on a 1,1% sur Nasdaq, 13 centièmes sur le dollar, 0,5% sur le SPY, puis 0,5% sur le TSX. Et tout ça en descente. Du côté des ressources, le pétrole a atteint son top, il va revenir par là. L'or et l'argent restent en baisse, les orifères pas mal en baisse, puis les marchés continuent toujours en baisse, comme on voit le SPY là. Fait qu'il y a peu à espérer, probablement, avant 2 heures. Toutes mon secteur des mélangés ici sont tous sur le bord de redécrocher encore. Regarde, je veux dire, on est rendu sur les supports, mais ça continue encore à chuter. Bon. 12h21. Ça fait que, donc, regarde, je vais me répéter pendant encore une autre demi-heure. Une heure de show, ça va être assez pour ce midi. Je vais être de retour avec vous. N'oubliez pas que dans l'après-midi, c'est grand débrouillage, mais dans l'après-midi, c'est sur gourou.tv qu'il faut que vous allez pour voir le show. Parce que là, je suis sur l'émission publique, on voit ça sur décisionplus.com, mais le show public, le show privé, mais en grand débrouillage, cet après-midi, à 2 heures, ça va être sur gourou.tv. Fait qu'il n'y a même pas de place, il n'y a même plus de place. Regarde ça, on est, c'est 11 et 20, le bas, le bas de weed, puis tout le cannabis est en baisse. Regarde, c'est pas compliqué, regarde, c'est comme, on dirait que le vent a lâché, là, puis que tous les drapeaux s'en vont par en bas. Puis regardez, mettez ça en 30 minutes sur une couple de semaines, là. Tu sais, essayez de voir du positif dans ce graphique-là. Donc, sur 2 semaines, là, c'est tout à la baisse. Donc, on est dans un cycle baissier, dans des tendances baissières partout sur les secteurs, que ce soit les secteurs traditionnels ou les secteurs spécialisés. Fait que, y a l'alimentation là, qui a donné un coup sur l'augmentation de tous les prix des denrées. Mais à mon avis, ils sont rendus sur leur top aussi. Là. Question, Michel. Se peut-il que nous ne pouvons pas vendre un titre à découvert que l'on détient? Ben non. C'est sûr que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir une position des deux côtés. Soit que vous avez une position d'un titre que vous avez acheté, mais une fois que le titre est acheté, vous ne pouvez pas le vendre à découvert. Il faut commencer par le vendre, puis après ça, il faut le vendre à découvert. C'est illégal d'avoir une position des deux côtés sur un titre à découvert. J'avais quelque chose que je voulais rajouter là-dessus. Bon, par contre, vous pouvez détenir des titres, mais vendre, mais acheter un ETF baissier. Si vous voulez utiliser vous ne voulez pas vendre votre position parce que mettons, elle paye des dividendes, ben vous pouvez toujours contrer, une contre-mesure, comme on appellerait, d'acheter un ETF baissier qui est dans le même secteur. Domtar à Toronto, il n'existe plus. Mais non, c'est ce qu'on a vu tantôt. Là. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre qu'on me pose cette question-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, là, mais il n'existe plus. Fait que je vous avoue que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter là, pour l'instant. D'autre que faire du temps, puis blablabla, puis blablabla, puis blablabla. Ça fait que je vais interrompre l'émission maintenant, puis je reviendrai juste un peu avant 2 heures à la place pour le discours de Jérôme Powell. Ça fait que je vous remercie de pouvoir me reposer un peu en attendant. Merci, c'est nouveau pour moi d'avoir un compte à découvert, même si ça fait 30 ans que je trade. Ah bon, mais il est jamais trop tard pour commencer. Ça fait que bravo Billy. Ça fait que je vous reviens juste un peu avant 2 heures. Merci d'être avec nous et passez un excellent après-midi.